précédemment dans les dessous du rock. T'as déjà essayé la cocaïne? Non, jamais. Alors regarde ça. Est-ce qu'il te reste encore de la cam que je t'ai filé tout à l'heure? Ah, oh, c'est con, je viens de tout finir là! Mais c'est putain de grave! Bon, écoute, ça fait 3 jours que t'es parti et j'ai pas reçu une ligne. Parce que même de là où je suis, je devrais sentir le caca qui pue. Caca! Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites passer la consolation, le silence livre une peine aux pages closes desquelles on se délivre? Mais c'est pas moi qui ai écrit, t'es un fouteux! C'est mon nègre! Ah, ouais, tu te casses! J'ai un job pour toi. T'es mon nouveau nègre! Le rap, c'est de la merde! Tu t'es masturbé, toi, hier soir? Non, parce que moi, oui. Après, j'ai fait 45 minutes de sport. Mon objectif, c'est de ressembler à Richard Berry. Bref, j'ai eu le patron ce matin au téléphone. Il m'a encore parlé du caca. Il m'a dit que si on la trouvait pas, il fallait la provoquer. La merde. Bon, écoute, c'est quoi? Chacun son boulot. Alors, reste dans ton costume, là, de marionnette. Moi, je reste dans ma périphérie, et puis tu commences pas à venir avec ta tête de poisson mort. Zor. Bonjour. Des réservations de 2 suites nuptiales mm-hmm. au nom de Stéphane Soussignon. C'est qui ce toquin, là-bas? Quoi, tu connais pas? C'est MC Serpent. Numéro 1 des écoutes sur Spotify avec son album J'ai trop le volant. Mais vous êtes MC Serpent? Alors, c'est marrant parce qu'avec ton ex, on est con, on réécoute cet album. Eh, mais j'ai acheté votre. Je vous ai acheté à la Fnac, votre album et tout. Ah, mais moi, je sais pas. Mais c'est vrai, je fais gueule, ta putain de grande gueule là. Allez, Pipère, bois. Mais non, mais arrêtez, je vous dis que j'ai acheté son album, arrêtez. Mais pas, arrêtez. J'ai encore le reçu, je vous jure. T'aurais pas lui piquer son ex à celui-là. Tu penses à ce que je pense? Quoi? Ah, mon ex. Ah, arrête avec ça, c'est pas possible. Ton ex. Merde. C'est moi qui suis à l'intérieur maintenant de ton ex. Mais putain, je me suis perdu de votre album. Je suis personne. J'ai une idée. Ah, regardez, j'ai raté. J'ai encore le reçu dans la poche arrière. Ah, mon Dieu. Ah, arrêtez. Pas de visage, pas de visage. Putain, ils sont où les instruments là? Tournée de merde, régisseur de merde. Qu'est-ce que t'as dit? Espèce d'enculé là. Eh, hey, tu descends à ton genre d'enculé. Mais non, tu parles à quel moment aujourd'hui là, je fais. Comment je vais faire ce soir? Allez, c'est bon, c'est bon. Non, Chahim, elle s'est encore fait larguer par son mec. Quoi? Putain, c'est quand qu'elle va se fixer? C'est une fille bien. Scoopy scoop. Les gars, à l'air tendance, c'est la minute gossip. Hier, j'étais dans ma chambre, tranquille, en slip, un petit verre de Bacardi à la main. Je regardais National Geographic, j'avais ma mère au téléphone. J'ai mis en haut-parleur parce qu'elle a pas le câble. Je rigole, j'ai pas de mère. Et là, je vais dans le couloir parce que j'entends des bruits, ok? Et qui je vois? Un mec marcher avec les instruments. Et il avait la dégaine d'un serpent. MC Serpent. Tiens. Et viens, on va le chercher, là, ce fils de pute. Qu'est-ce que t'as fait avec ces petites nourritures? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait, ça? J'ai écouté seulement les ordres du patron, ok? Qu'est-ce que t'as fait des instruments? Je les ai cachés, je suis dans la chambre de José. Putain, ah, donnez des instruments à Toxico, il va les revendre! Crache-moi dessus! Crache-toi dessus tout ce que t'as! Vas-y, t'as pas frappé, hein? T'as pas frappé sur le visage, hein? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un rappeur déguisé en reptile qui aurait volé les instruments d'un autre rappeur pour qu'il fasse pas son concert ce soir. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un rappeur très très vieillissant, c'est MSK, qui susciterait que son successeur, un rappeur très très bien déguisé en serpent, lui aurait volé ses instruments pour pas qu'il fasse son concert dont tout le monde y se fisse. Tout le monde dit quoi? Il se fisse. Qu'est-ce que tu dis, hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'ils font ici? Vous faites quoi, là, ici, là, au fond de ma gueule? Qu'est-ce que vous faites? Là, excusez-moi. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, copain, qu'est-ce qui t'arrive?
Oh, j'en peux plus de toi, là. Qu'est-ce que t'as foutu, putain, José, là? T'as vendu tous les instruments à cause de Toxmo, il s'est retrouvé dans la merde, il va se faire bouffer par un serpent. Et puis ce corps, là, qu'est-ce que c'est que ce corps, putain? Si ça peut te rassurer, j'ai toujours ta guitare, hein, personne n'a voulu me la racheter. Elle est où? Elle est où? Dans les toilettes. Moi, tu es venu ici, au début, c'était pour parler simplement. Ta gueule! Arrêtez tout! Oxmo, tu te souviens de la chanson qu'on a écrite ensemble? Ouais. Eh ben, j'ai mis des accords dessus. On va la jouer ce soir, ça va être un carton et on va être riche. Le rap, c'est de la merde! Le rap, c'est de la merde! Ouais, ouais. Toi-même, tu sais. Sa médiocrité dans le domaine musical, Franck prit dès lors la meilleure décision de sa vie. Il ne remettra plus jamais les pieds sur une scène pour le bonheur de tous.